Eh bien, c'est une belle histoire et c'est une success story comme on les aime. Elle s'appelle Charlotte de Villemorin. Elle est handicapée depuis sa plus tendre enfance. Elle avait du mal à se déplacer. Et quand elle voulait partir en vacances, généralement, elle cherchait des voitures de location adaptées à son handicap. Elle n'en trouvait pas. Du coup, elle a eu l'idée, en 2014, de lancer sa société Willys avec l'aide d'un ami et permettre la location de véhicules entre particuliers, des véhicules adaptés à leur handicap. Alors, nous sommes allés justement à la rencontre de ses utilisateurs et nous avons assisté à un échange de clés. Salut Régis. Salut, enchanté. Enchanté. Donc le système, double volant. Ouais, ok. Le frein là, comme ça. Moi j'étais confronté à ça il y a quelques années où j'avais le droit qu'on me prête une voiture parce que ma voiture était accidentée et on n'a pas pu me trouver une voiture adaptée. J'ai la chance de posséder deux voitures adaptées. Quand il y en a une qui tombe en panne, ben, je suis toujours libre et ça me permet ben, de faire profiter quelqu'un et puis que coûte cher. Donc si ça peut seulement payer l'entretien du véhicule, ben. Je trouve que c'est bien. C'est une solution qui est moins onéreuse que de prendre un taxi. Sachant en plus que les transports en commun sur la région parisienne ne sont pas forcément adaptés. Donc là, on garde son autonomie et on peut se déplacer autant de fois qu'on le souhaite et où on veut sans être dépendant de qui que ce soit. J'ai créé cette société il y a maintenant 3 ans parce que quand on est en fauteuil, c'est très difficile de se déplacer. On a absolument besoin d'une voiture aménagée et ces voitures sont assez difficiles à trouver. L'objectif de Willys, c'était vraiment de mutualiser le parc qui est chez des particuliers pour permettre à une personne qui est propriétaire d'une voiture de la louer directement à une autre personne en fauteuil qui en a besoin pour se déplacer. Tout se fait en ligne, il suffit juste de faire une recherche en indiquant une ville et des dates. Willys va ressortir les véhicules disponibles à proximité. Alors c'est WH2ELIZ. Voilà, Willys.